Allez, YFM 93.1, vous écoutez Planète Claire, on est ensemble jusqu'à 21h et je vous rappelle que ce soir nous aurons en session Rio and Medio. Oui, tout à l'heure. Et tout de suite, Julie Douaron qu'on va retrouver. Là, on peut d'abord signaler qu'on vient d'écouter Blonde Redhead, nouvel album qui s'appelle 23, on va dire. Ce sera plus simple que de le dire en anglais, de toute façon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Le titre, c'est Dr. Strangelove. Qui, à mon avis, le futur single extrait de l'album. L'album n'est pas encore sorti, soit dans un mois à peu près. Alors, le problème, c'est que tout ressemble un peu. Il y a des moments où on a un peu l'impression d'entendre Mylène Farmer. Ah ouais, à ce point-là. Au niveau de la prod, ouais, c'est assez. J'ai peur. Oui, oui. Ouais. Malheureusement, c'est. Bon, autant on écoute un titre, on dit ouais, c'est bien. Si on écoute l'album, on se dit déjà, ça monte dans la même chose. Il y a des trucs qu'on. Je me dis, mais si on m'avait pas dit que c'était mon Redhead avant, et si elle chantait en français, est-ce qu'on n'aurait pas l'impression d'entendre Mylène Farmer? Ah, c'est un peu de ça. Parce que sur l'album d'avant, je trouve que l'alternance des voix et tout était super mélangée au niveau des titres. Là, à mon avis, c'est masculine, voix féminine. Là, c'est que féminine à première vue. Puis c'est surtout une production très. Ça fait FM. Très FM. Ça fait FM. C'est FM. FM. T'as trouvé le mot. Ouais, ce que j'ai entendu, ça m'a fait cette impression. Ouais, bah c'est ça. Donc, peut-être ça gagnera des sous, mais c'est moins intéressant que ce qu'ils disaient avant. Ouais, c'est un grand débat. Je suis pas sûr que les Blonde Redhead vont gagner les vidéos. Ah, enfin, à mon avis, s'ils gagnent des sous, ce sera sur cet album-là, en tout cas. Bon. Mais bon, des fois, il y en a qui gagnent des sous avec des bons albums. Ce qui est malheureux, c'est que c'est souvent avec des mauvais albums qu'on gagne des sous, comme Yosek, par exemple. Ah, oui, tu m'en avais parlé. Enfin bon, on va pas. Ouais, c'est... Et on retrouve donc Julie Douaron en session. Elle est à côté de moi, elle est prête. Elle va nous jouer quelques titres en direct pour annoncer un album qui est sorti, qui s'appelle Walk Myself Up. C'est son troisième album, c'est ça? Oh non. Deuxième? Non. Premier? Plutôt le septième. Septième. Ouais. Ah voilà, bon, ouais. Sixième, septième, je sais pas. Il y a tellement d'albums qui sont sortis, enfin quasiment. Enfin, de notre côté, c'était, comme c'est des autoprods et tout ça, c'est vrai qu'on a aussi, on s'est réveillé. On a pris un peu le train en marche. Et puis il y a eu des EP aussi. Donc je pense que c'est le 7e, même peut-être 8, je sais pas. Peut-être le 8e. J'ose pas dire 8, peut-être 6 ou 7e album au complet là. Bon, en tout cas, ça fait quoi, 10 ans de carrière à peu près, hein. Là aussi on est gentil. Le premier album, j'ai vu en 96. Oh, j'ose pas dire, bon. Donc ça fait... Si on compte mon premier groupe, parce que Ah oui, il y a eu un groupe avant, bien avec, sûr. Avec Stup, c'était commencé en 1990. Ah oui, en effet. Oui. Donc quand même. Ouais, presque. Presque moi j'ai commencé aussi ancienne que moi. Je vais pas dire vieille, mais ancienne. Oh non. En commençant, non. Voilà, et puis je commence. Merci beaucoup voilà, de m'avoir accueilli donc ici. On va tout de suite. Je me dois en session en Planète Claire. Swan pond, oh swan pond, who am I? You, I am sure of. Well, your sound is sweet, the mosquitoes weep. Well, I am sure of no one. Under your trees I forget about me, and in your grass I remember him. Oh, apples, oh, dates, oh, marble floors, oh, swan pond, please set me free. Bring him to me.
Donc je continue, hein, j'enchaîne. Donc voilà, je joue des morceaux de mon nouveau disque. Quoi, voilà. Donc ceci, voilà, je continue. Voilà. À un moment donné, j'avais pensé que je voulais complètement arrêter d'être musicienne et je pense que c'est quand j'ai composé ceci. There goes the dark horse, leaving the stage with my baby. There goes the dark horse, leaving this place without me. And I'm riding you from Montreal to tell you that I don't belong here. And I'm riding you from Montreal. Hi. Kid, and I wanna know what made you think you could make it in a place like this, a place like this. You're feeding your kids among all these pirates. You're feeding your kids the best that you can, but with what you've got, and I'm riding you with all my heart. Tell you that I don't belong here. And I'm writing you from all my heart. Bye. Dark horse, leaving this life forever. And I'm riding you from Montreal to tell you that I'm coming home. And I'm riding you with all my heart. Et je sais pas, j'aimerais de remercier la personne qui m'a prêté la guitare pour la journée. D'habitude, je joue avec une guitare électrique, donc c'est quand même cool d'avoir une petite guitare. Donc je continue. Guillaume, merci Guillaume. Ah, c'est vrai. Merci Guillaume. Maisonneuve. Voilà, merci à Guillaume de Maisonneuve. C'était pas... Ah, ok, voilà. Ok, bon, je continue. Je me suis rendu compte que je joue un peu à la presse quand même. J'ai vraiment joué ces morceaux-là super vite. Ouais. Ça va. Des fois, je voulais essayer de jouer autant que possible dans 25 minutes. Tu les accélères, c'est ça? Ouais, je pense que oui. Je pense que je me suis. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Bon, bah, je continue. On a le temps, pourtant. Absolument. Bon, bah, on joue a le temps, donc tu peux les faire à vitesse normale. Voilà, ben, en tout cas, au Canada, là où j'habite, je fais partie d'un autre groupe qui s'appelle Shotgun and Jaybird. Donc, Shotgun et Jaybird. Et puis, j'ai quelques morceaux sur leur disque aussi, qui est quand même tout nouveau. Donc, j'aimerais faire quelques... Une reprise? Bah, en fait, c'est moi qui les ai composés, mais c'est pas sur mon disque. D'accord. Mais c'est les choses les plus récentes, donc... Ça m'intéresse de les faire quand même. Si tu as leur autorisation, il n'y a pas de problème. Si, j'ai leur... Enfin, oui.
Non, 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 il n'y a pas de problème, pas de souci, aucun. Ok, bon, ben. Donc, ceci, ça, c'est une de ces morceaux-là. Julie Doiron, donc, dans une reprise de Shotgun and... Shotgun, c'est Shotgun and Jaybird. Shotgun, comme... Shotgun and Jaybird. Jaybird, comme un oiseau. Ouais. Et puis, en fait, je suis dans ce groupe, donc ça va. Donc, je fais la basse, je joue la basse et je chante. Ok. Et voilà, donc voilà, je vais rester calme. Fireflies in our eyes, these tiny flashing bugs lighting up all around us, and things are starting to happen. Things are starting to happen. But then I had been alive, these things were lighting us up, and then I was forgotten. Yeah. Well, I was forgotten. Oh, I mean that I forgot. I mean that I forgot. So we'll drink from the bottle and roll the dice. We'll build the sweet buildings and work overtime. And we'll let our hearts do the talking. Talking, we'll let our hearts do some talking, and let's be on time for the kiss. No one should see this. I closed my eyes and feel the stress and press my lips onto his. Well, no one seems to like this.
in horror to see what I'd done. It was the wrong guy. It was the wrong guy. Je me laissais jusqu'à 8h30, donc c'est ce qu'on avait dit. Hein. Enfin, peut-être si j'ai le temps, je ferai deux, mais c'est bon, je sais pas. Bon, ben, donc je continue. Ouais, impeccable. Vous écoutez Planète Claire, on va préciser sur AligraFM 93.1, tu vois, il faut toujours rappeler le nom de la radio et la fréquence, c'est important. Oui. Vous êtes avec Julie Doiron. Oui. En live, ouais. En direct, absolu. Ouais, donc là je vais changer un peu le... Ouais, je vais faire ceci. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Là, je pars de nouveau en tournée, donc demain à Rennes. Et tu repasses donc à Paris dans une semaine. Je repasse à Paris le 17, donc je joue à Grand Zero à 18h30. Ouais, c'est un disquaire super sympa. Ouais, et ensuite, je pense que possiblement bah, au triptyque plus tard dans la soirée avec Lapin Machin. Ouais. Donc le même jour. Ok. Et je pense que c'est tout pour Paris. Mais je suis en tournée là, donc un peu partout en France. À Tambour.
Ouais, je fais le printemps de Bourges. C'est super. Ah, bah je suis là le 20 et le 21. Important. Donc, ouais, c'est ça, je suis à printemps de Bourges le 20 et le 21. Et je joue les deux jours à 14h. D'accord. À 14h jusqu'à 15h. Ok, bah il faut le dire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être. J'étais pas au courant jusqu'à à quel niveau le printemps de Bourges est. C'est important en France. Ah oui, oui, en France c'est important. C'est une date importante. Ouais, donc ouais, ouais bah, peut-être qu'on se verra au printemps de Bourges. Ok. Et à Paris le 17. Donc d'abord le Ground Zero à 18h30, puis au triptyque après. Ok, okay bah, mais merci. Je viens juste de savoir, comme le triptyque vient juste de se faire confirmer. Donc... Voilà, bah donc c'est une exclue. Ouais. Merci Julie, en tout cas merci pour cette sympa session. Bon anniversaire et puis, joyeux merci. Anniversaire, je veux dire. Oui, merci. Oh non, mais les deux sont bons. Et c'est bientôt mes 25 ans aussi. 25 ans de la radio. Ouais, on va retrouver tout de suite un extrait justement de l'album Wool. Woke Myself Up. Donc j'ai vraiment choisi des morceaux quand même un peu tristes aujourd'hui. Mais... donc le prochain aussi, vous allez écouter là, sur le disque, c'est un peu triste aussi. Il s'appelle comment? Me and My Friend. Merci. 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 Thanks, I kind of plowed through everything, but it's like, how many more can I do? Mais merci, hein. Fantastique. Bah de rien. Joyeux anniversaire. Merci. C'était super. Merci, c'était sympa. Ouais, je te laisse.